وي سيدي اللي تولي تيقول ساك نو غال دغون صح غير شوي سين ذا بوس النظام شكون حوش الزوابو تمليلي الدكتور سعيد سعدي اللاد غا في السوسي مازيغان ادي لان ذا حريش زخي نوذ لي سني وي سين ادي سوفار نو حسن يوث يوث امود لي سمزوابو امود لي وي سين ديك التا اكن ودنا لنا حريشني امزوابو تكي تمليلي تسنات ادي لان يدس ادنا وين يدس يكون يضرون كثره قلنا السرطان ذي ثمور سيني غاتيك نظام اي دكتور سعيد سعدي زول في الله يا دكتور زول في الاول زول فيك كمال زول رشيد زول كيف تورانا زول دكتور سعد انا واحد نسقرضش كي كاين غطاس نتمسالك دكتور سعيد سعدي كي تزغدا كمال احنا وسقيه غطاس ذي ثمور سقي كلام زول كثير ديسكسينا الدكتور او يفنى دينيض تاكير ولكن فورار عطاسي سينا نهاث تزغن تكين كوفيد 19 تينيس حبسن ثاقي ولكن نشمو ماح ماشا وهم نيكو الغشم كي ثغالد اون فورس دا شو نتا مغلين الدكتور سعيد سعدي دا شو إذ البيلون في مغلين كي الدكتور أكلي سينا وينا ماري ولي أمي جيدر ماري ولي ريوني في الغزيفة دي تنصى ماري ولي ريفر نيضن وزيل أدي ترو إلا وسيرم إلا وين إلا عن ذوغور أسيرم ذاك إدوان الغاشي أري بردان خاص ماتشي ماكن إلا زيك طاسي دلان طاسي دي تسفقم أين النظام أكني بغوي لي أكني تفدا مازال أكثر من سينيس بوسنيا كي ثورا عند توفي ثلاثة كي سينا وينا غير الساعة تقرا ولا كي أي ثو سي با بوبوليست دو لو دير مي فو لدير كومام Le peuple a fait le job. On ne peut rien demander au peuple que de sortir, en sachant très bien qu'il y a les forces de la répression à côté, avec ses enfants, avec sa famille, de revenir en permanence pour exprimer haut et fort une volonté de changement, en tout cas de construire autre chose. Le peuple a fait le travail. Le problème, c'est que les élites, malheureusement, n'ont pas été au rendez-vous. Et on n'a pas pu donner le sens et le prolongement que pouvait mériter un élan aussi remarquable, pacifique, organisé, massif dans tout le pays, et qui a résisté à l'ensemble des provocations, des manipulations, des tentations de division, d'infiltration. C'est assez contrasté. La force de la mobilisation citoyenne et le mutisme de la traduction politique. Donc, vous n'avez pas dit que vous avez 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 dit que vous elles ont été à l'arrière-garde et même une contrainte à la demande de changement. Je disais tout à l'heure que si on n'avait pas engagé la désobéissance civile en avril 80 ne serait jamais le repère dans le combat démocratique de l'histoire de l'Algérie contemporaine qu'il est devenu. Si en Pologne, les grèves qui ont entouré les chantiers de Gdansk dans un premier temps et qui sont étalés à l'ensemble du pays n'ont pas été accompagnés par les élites et Solidarność, jamais Solidarność, jamais la Pologne peut-être, n'aurait pu venir à bout du système communiste et même amener la chute du mur de Berlin. Alors les expériences mondiales sont connues, au niveau national les expériences qui ont abouti sont connues. Pour l'instant, la mobilisation citoyenne est là, mais cette mobilisation contraste avec la démission, voire même le renoncement des élites. Termine le docteur, quel est l'aspect aussi? Docteur, justement, justement, les inconvénients, on peut dire, l'élite, justement, il a failli. Justement, actuellement, on assiste sur un blocage, justement, il y a des forces d'inertie qui empêchent l'émergence, justement, de cette alternative démocratique, une sorte de contre-révolution quelque part organisée par le pouvoir et les islamistes, notamment Rachad. Qu'en pensez-vous justement de ce couple islamo-militaire qui empêche justement la terre démocratique parce que eux sont les deux, on peut dire, composantes qui s'entendent au moins, c'est qu'ils sont contre la démocratie.
mon avis, le problème n'est pas tellement le pouvoir au Rachid d'aujourd'hui. Hein. L'un et l'autre sont fondamentalement antidémocratiques. Je pense même que c'est ce qui les lie, c'est ce qui les rassemble. Il peut y avoir des oppositions au moment du partage de la rente, au moment de la promotion de tel clan au détriment de tel autre, mais il n'y a pas, je l'ai toujours dit, je le redirai encore aujourd'hui, il n'y a pas de différence de projet entre les islamistes, entre l'islamisme et le militarisme, en tout cas en Algérie. Alors, j'ai retrouvé récemment une petite vidéo à Sidi Aïch en 1994 déjà dans un meeting, je disais exactement la même chose et je reste sur cette position-là. Ce qui pose problème, c'est le mutisme et même la contre-performance du courant démocratique qui s'accommode des uns et des autres qui n'arrivent pas du tout à assumer l'élan, le souffle, la générosité démocratique de ce mouvement qui est en train de changer de nature. Il ne faut pas se cacher. Ça, j'ai fait les 10 premières marches en Algérie, en Kabylie. C'était une sociologie sensiblement différente que celle qu'on voit actuellement. Avec Oulihali à la lassitude, il y a peut-être aussi d'autres considérations sur lesquelles il faudra réfléchir et bien analyser. Il ne faut pas s'empresser de tirer des conclusions trop courtes sur un phénomène aussi important et complexe. Mais tout le monde a constaté que la substance humaine est en train de changer. Au-delà de la faiblesse de la manifestation qu'on peut expliquer peut-être en partie au moins par la pandémie. Mais ce qu'on observe, c'est que le militarisme profite de la situation pour stériliser politiquement le mouvement, qui est en train de se ritualiser, les gens sortent chaque vendredi, ils rentrent chez eux, ben, ça durera ce que ça durera. C'est plus l'impopularité du régime qui amène les gens, à mon avis, à marcher, que vraiment la volonté de faire une offre politique qui traduise concrètement une alternative sérieuse et démocratique. Les islamistes, bon, il y a encore des enregistrements qui ont été, je crois, vous pouvez les retrouver sur la toile, qui viennent d'être retrouvés, où les islamistes, à travers notamment Rachad, mais pas que, donnent des instructions, disent voilà comment il faut faire, vous devez prendre des sacs d'affiches, des centaines, vous les cachez bien chez vous, vous les distribuez à la population, mais c'est pas vous les porter, évitez telle mosquée où nous avons nos états-majors parce qu'il ne faut pas attirer l'attention des services de police là-dessus, vous devez être devant les carrés pour, avec nos slogans pour connoter par le discours islamiste la révolution et il faut absolument que les slogans soient ceux que nous allons vous donner régulièrement, etc. etc. Mais à l'inverse, le courant démocratique ou les partis qui se revendiquent encore de la démocratie, je ne les ai pas vus mobiliser leurs militants pour faire par exemple des banderoles avec Algérie libre et démocratique, avec tout ce que annonçait la mobilisation citoyenne au début de l'insurrection en 2019, faire des slogans eux-mêmes, sortir les posters des figures des martyrs de la démocratie comme le font les islamistes, etc., etc. Mais le plus grave, c'est que non seulement ils ne le font pas, mais lorsque spontanément ou même de manière organisée une partie de la société civile le fait, ce sont ceux qui se prétendent être des observateurs de la démocratie, qui les accusent de vouloir diviser le mouvement parce qu'ils mettent un poster d'un démocrate, parce qu'ils ont un slogan démocrate, parce qu'ils ont une banderole où ils disent État ni militaire ni théocratique. Ce sont les observateurs démocrates qui essayent d'intervenir pour empêcher ce genre d'expression, parce qu'il ne faut pas diviser la révolution. À l'inverse, lorsque des posters d'Ali Brahaj, lorsque des slogans islamistes viennent, ces démocrates n'interviennent jamais. J'ai entendu des gens, des observateurs qui se disent démocrates, dire il faut refuser la bipolarisation, c'est-à-dire il ne faut pas que le souffle démocratique apparaisse, sous-entendu, tant que c'est l'unipolarisation islamiste qui s'exprime, ça ne gêne absolument personne. Et ça, ce n'est plus de la peur, ce n'est plus de la démission, c'est une forme de perversion dans la mission qui est dévolue aux élites démocratiques. Je finirai par un truc que j'ai personnellement vécu. Lorsque
le 13 février 2019, c'est-à-dire une semaine avant que ça ne commence, l'insurrection. Je me rappelle avoir fait une longue contribution dans Liberté où je disais, un, ça ne peut pas tenir comme ça. Deux, le statu quo est dangereux. Et je répondais au Premier ministre de l'époque, Yahya, qui est aujourd'hui là où vous savez, c'est-à-dire en prison, qui menaçait les citoyens de ce que l'État a les moyens de contenir la rue. Et je lui ai répondu, vous vous trompez beaucoup, les Algériens ne sont pas libérés de l'ordre colonial parce qu'ils avaient une force de frappe militaire plus forte que la France. Ils se sont libérés du colonialisme le jour où ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à attendre de l'ordre colonial. Alors, les Algériens ont compris qu'il n'a plus rien à attendre du système FLN. Ça, c'est quelques jours avant que ça ne démarre. Je voyais bien que ça ne pouvait pas tenir, mais j'avoue que je ne savais pas que ça allait prendre une expression aussi pacifique, aussi organisée, aussi colorée, aussi joyeuse, aussi citoyenne, aussi démocratique, etc. Et j'essayais d'intervenir sur ma page Facebook pour donner un peu mon avis en fonction de ma modeste expérience sur la façon dont pouvait, devait évoluer cette miraculeuse mobilisation citoyenne. Je n'ai pas prononcé le terme désobéissance civile, même si je savais qu'on l'avait appliqué en 80 pour ne pas donner l'impression que je voulais aller plus vite que la musique ou bien que je voulais imposer mon opinion sur la dynamique générale. C'est la rue qui a lancé le terme désobéissance civile. Il dit Nirullah, Mesnan Kinin, la Sienne Medani, la Sienne Medani, je l'ai entendu dans la rue algérienne. C'est à ce moment-là que j'ai fait une contribution que vous pouvez trouver sur le livre qui a été publié par les éditions Franz Fanon, où je disais il faut espérer que maintenant que la rue a franchi un cap qualitatif dans la nécessaire adaptation des méthodes de lutte, que les élites qui sont à l'arrière-garde de la rue sauront au moins se mettre à son niveau faute d'avoir été devant. Eh bien, je vous garantis que ce sont des responsables démocrates, à commencer par le responsable du parti que j'ai fondé ou d'autres universitaires, qui m'ont attaqué violemment en disant que je suis un bonhomme qui veut casser la révolution, je suis un bonhomme instrumentalisé, etc. etc. Donc, non seulement les élites n'ont pas assumé leur rôle d'avant-garde, mais elles ont été, par calcul, par inhibition, par incompréhension, ou bien peut-être pour d'autres objectifs que l'histoire dévoilera un jour, n'ont pas été en mesure d'assumer, pas de proposer, pas d'anticiper, d'assumer ce que la rue était en train de revendiquer clairement et publiquement. Donc, si on veut faire une évaluation, il faut être lucide, ce n'est pas perdu, mais il y a eu beaucoup de temps de perdu en tout cas. الدكتور يتقثم سلايثة جراكي فسين بولن دوبل ربتور مثلا سقباليث أفطوف مرطيين نزمر أني لين ذو صنفار نغلون صمام وذاغان أني لين ميال la double rupture. Donc, est-ce qu'on peut être contre le projet, avec le projet de Congrès de la semaine et en même temps contre la double rupture? Non, je crois que vous avez donné la réponse en posant la question. Le Congrès de la Soumam, grâce à Ben Ibn Belhid notamment, a été très clair. La plateforme est là, l'écrit est là, les témoignages sont là. L'État algérien, la guerre de libération n'est pas une guerre de religion. Point. L'État algérien sera un État démocratique et social. Nous revendiquons la primauté du politique sur le militaire. Et ils ont ajouté, il ne s'agit pas de restaurer une quelconque monarchie ou théocratie désormais révolue. يخيرن زريعان إقلال يدخل شوارتني وزمي الله راه غتشوار ضافي ذني لو اف ال ام غتفضى مزروي غتكسر ضاين كل ساعة دمارة غتفضى تشرور ثنيان باش تسلق ماضن غتصفر ضاين اينو تبغي ضاين غادي فانم سا سي اكزاكتومون لا استراتيجي دو اف ال ام كي طونترين دو روفونير اوجوردوي دون لاناليز اي لا مانيبيلاسيون دو سو موفمون اي او دولا دونك de la plateforme de la Soumam. On ne peut pas être contre la double rupture, c'est-à-dire contre la théocratie et contre le militarisme, et se revendiquer du Congrès de la Soumam. C'est absolument impossible, sauf si on est un mystificateur, un imposteur ou un fossoyeur de l'histoire. Et c'est exactement ça qu'il faut combattre.
ما يضرك واش تاكي ما ذوي غادي نشدو كتشيني صافي دير على الناس تقصدي بوكوا لا دينونسياسيون دو ليسلاميزم اي دو ميليتاريزم تو جينري سي tu n'as pas l'intention de cultiver l'un ou l'autre d'imposer l'un ou l'autre or اول الناس تزقل لي le militarisme et l'islamisme dans la crise algérienne sont les deux mâchoires d'une même tenaille arrachées. Aujourd'hui, sur le plan institutionnel, sur le plan doctrinal, l'Algérie est une république islamique. J'ai dit un jour que si les islamistes devaient arriver au pouvoir, ils chômeraient parce que tout est fait à leur place. On m'a accusé d'être excessif, d'être radical, etc., etc. Non. Dans la constitution algérienne, l'islam est religion d'État. Il y a une autre parenthèse, c'est une imbécilité de dire religion d'un État. Un État n'a pas de religion. Un homme peut avoir une religion, un groupe social peut avoir une religion, mais un État n'a pas de religion. Mais quand on dit l'islam est religion, ça veut dire ça c'est le cas. La première victime de l'intégrisme, c'est la religion. Et quand tu vois le code de la famille, au jour d'aujourd'hui, il n'a rien envie au code de la famille les plus archaïques, des théocraties les plus rétrogrades. C'est-à-dire en 2021, il n'y a pas dans la constitution algérienne le principe de la liberté de conscience qui a existé dans toutes les constitutions avant 2020. J'ai entendu vraiment deux intellectuels qui ont dénoncé ça et c'est énorme. Il y a eu Han Saadi, il y a eu Razeqa Adnani, une dame remarquable, islamologue, que personnellement je ne connais pas, mais dont suit les contributions, qui honore la démission des élites algériennes et qui a même fait là-dessus une lettre ouverte à Tebboune, qui a été publiée par le journal Al-Watan. Mais les autres intellectuels n'ont pas été scandalisés par le fait que désormais la liberté de conscience n'est plus garantie par la Constitution. Alors, on est dans les faits dans une république islamique. Alors, évidemment, l'application, elle est plus ou moins brutale selon les pays, selon la force des régimes, etc. Mais dans la philosophie qui régente l'esprit constitutionnel du pays, nous sommes en république islamique. C'est ça. Docteur Kamal, est-ce que c'est l'étudiant? Est-ce que c'est docteur, finalement, justement, la transition démocratique, est-ce que c'est possible encore qu'il y ait une chance encore durant ce processus révolutionnaire, qu'il y ait une transition dans le sens où passer justement du régime autoritaire ou voire totalitaire à un régime démocratique. Est-ce que le fait que certains acteurs du mouvement sont réfractaires au préalable démocratique ne participe pas justement à l'arbitrage du pouvoir, notamment par les militaires? Et juste pour annoncer une information, c'est un peu étonnant que soudain, on a adopté la déclaration de principe, là où il consacre la laïcité et la diversité sur tous les plans. Alors, quel est votre commentaire? Et justement, ceux qui veulent réduire la démocratie, tout doute, est juste le suffrage universel. Alors, quelle est votre appréciation? Mon appréciation générale, c'est qu'on est menacé par une maladie que tout le monde connaît, mais dont peu veulent guérir. C'est l'esprit du FLN qui consiste à dire une chose et vouloir ou faire son contraire. Il faut absolument ne pas laisser la moindre faille pour que l'imposture, pour que le mensonge, pour que la démagogie ne vienne pas polluer la vie publique. Umbad, mayla yaliyoun ifked asir minus. Avec les citoyens. Rwanda,
هذه السيوا في فينس انشتني يسهل نزمرا نمخصا نزمرا نسعها نبافوار الكونسنسوس اتسيتيرا مي سو كيل فو ابسوليمون كومبات سان رلاش سي سكو نا دي سو الكونغري دا سومان Je suis pour le congrès de la Soumane, mais je ne suis pas pour la double rupture. Ça, quand tu commences par une supercherie comme ça, je n'ai pas confiance en toi. Demain, si vous êtes slick de est-ce que vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que 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 Donc, il faut absolument mettre au pied du mur les gens qui aujourd'hui, et c'est grâce, notamment à la génération d'avril 80, que la démocratie est aujourd'hui devenue incontournable et impérative pour tout le monde. Les islamistes ne disent plus « démocratie à Kof », les militaires ne disent plus « la démocratie, c'est une valeur bourgeoise qui est importée chez les impérialistes ». Tout le monde dit « nous sommes démocrates ». C'est grâce à notre combat que ce principe est revendiqué par tous. Mais le combat n'est pas fini. Si vous êtes démocrate, on ne vous fait pas de procès d'intention, vous ne pouvez pas dire « je suis démocrate », mais je n'ai pas envie que l'on parle des fondations qui portent la démocratie. Il faut les acculer. Oui, la karam, un chkidgwanchlegi, oui, mais la kidine, qui est magdaï, maana, il souffre de magdaï, ou la karat, nazar, fidasset, sok, you did it aussi. Donc, autant le démasquer maintenant. Si tu es démocrate, nous allons poser les préalables de la démocratie, nous allons nous mettre d'accord. Ils sont connus, les Soudanais, qui ont été vers un État laïque. Et à mon avis, le combat pour la laïcité est inévitable. C'est le combat du siècle, c'est le combat de l'heure. Mais eux, ils ont dit, la laïcité s'accommode de la démocratie, mais en amont, le respect des minorités, l'égalité des sexes, etc. France, on va dire, mais je ne peux pas. Même si tu me dis, ou bien la démocratie, c'est l'impérialisme qui veut nous empoisonner la vie en Algérie, même si tu ne dis pas ça, je ne te ferai pas confiance si tu n'admets pas les préalables démocratiques. Il ne faut pas céder un pouce là-dessus. Mimsers, le Sessegui, il fait la Vnusugzouz, et maintenant on peut rentrer dans l'idéologie, on peut rentrer dans la politique, on peut rentrer dans l'aspect programmatique, ça se discute. Mouit Karara, qui te carantera. كرا سلي غسل انا نروح على الفرانين ومن بعد وين تيبوين هذه خدمه ني سي هو انا لا ثوكذوث ماشي تيفرانين ثوكذوث تغاوسا يسي صوض مدن الفرانين ماذا قال ضمن ماذا ضمن سالوف دوك ساون وقفل La démocratie, ce n'est pas l'élection. L'élection, c'est le moyen qui permet l'instauration de la démocratie si celle-ci est bien définie et sécurisée en amont. Ouais. Moules, Zmerra, Ithura Nouhar Fren. Athana Rachad, ils ont des moyens quotidiens. Ils ont des stratégies. Winare Hadaran, Iwidi Haran, Ivan, Winare Hadaran, Ilmzir, Khasadis Fzawan, Ivan, Winare Sforan. Et le populisme, ils viennent quotidiennement. Ça fait des années qu'ils sont là-dessus. Ils ont des moyens, ils ont des sources financières, etc. Attends, on a freiné le kagir, mort de même baracha. Axis là, youn, rakiyin, rabhati freiné, si elle a fait là, rayouki des Sahara. On va d'acheter un jour. On regarde l'image, bouche le halle, zemi kharjim le bled. On importera. Autant de bateaux, de frères soudanais, pour autant de cadres qui quittent le pays, vous devez changer d'habitude. On va refaire encore le truc. On va arriver dans une situation qui sera 10 fois plus grave que ce que nous avons subi et qui est pourtant suffisamment dramatique. Alors, ceux qui aiment le pays, ceux qui sont responsables, ceux qui considèrent leurs concitoyens, doivent se mobiliser, et notamment les élites démocrates, pour dévoiler l'imposture, il n'y a pas de démocratie sans préalable démocratique. Puisque pour Mme Slaya, pour M. Kiras Nislim, la mouvance islamiste, le mécanisme de Youth Tawas, une contribution soit zéliste, Kemal Nsaldit, on l'a analysé bien, Taqiya. Taqiya, qui est une stratégie, c'est clair, Nislim, l'analyse islamiste, c'est clair,
تمثل سنه تثلاين اني تقارن ماشي داني لان دي تيلا ثم ديا امسو ارشاد داك زغد الدكتور ينك بلي كاين شي با بارتي دو لا موفونس اسلاميست كي تدينا وذاغن اني سوا من نو غير يزكا يكث من بي 32 نقيد صالح يكث فو ذا فو قيد صالح حميد نوفا بلي زير نيغوسي سي لا نيغوسي ساشا دينا دفنش داكي تبزو روتي دنا انا راه كل ما تيجي نسلم على خاطر ما طوال هذا يتقارن الا الو بركان الو ملال الو زكزاو الو قران دونك البروبليم اين وارن اكو كذور باقي لكن ايش يسحل الكذب نوثني هذا روحا هذا الشيء ما يسكذب يجوز ما يخر يجوز ما ينغم يجوز على خاطر يسمى ايمانيس ذنت ساغي ديور زن سيدي ربا فاشل دونك اين يخدم يسحليت وزما اشو السوق راكي دي صحن يري مذانا راكي دي الحاجه سكاني غادي نقلب فواليس راكي دي في كرام ديا انا عدا نخدم سي لا بروميير فوا خدم الفيديو جي با بوكو سو مود دو كومينيكاسيون باسكو سي با دون لا بوليميك جي بريفير دي كونتريبيسيون بور ايسيي ديريجي l'opinion publique en donnant mon mode d'expérience et que les gens réfléchissent ensuite à travers les clés qu'ils peuvent trouver dans mes contributions. Mais j'ai fait une à ce moment-là, Arlène Philippe, quand j'avais parlé de la désobéissance civile, mais nous, c'est-à-dire qu'il y a aussi les magdaïens qui nous ont dit qu'il y a des gens à l'état-major. J'ai fait une lettre ouverte adressé au général Gaït Salah, chef d'état-major en poste de l'Ouakhtanir, à Tsanastafmit Ksefsegit Farad, je l'ai rendu public de l'Ouakhtanir, à Nidassanir, général Gaït Salah, il a qu'à Tchmad al-Kazam, ou qui dit Salah, ou elle dit Serfis, Fa en Ern Serfis. C'est une lettre que j'ai rendue publique. Il a Ouakhtanir, nous tenir, l'un, Tsmiswakan, après Gaït Salah. Mais à Tsmiswakagir, ولد انتقال يوغير راينسن عامل عبد الجنرال تاع يخدم هكذا هكذا اصلا كيف الحقوق اللي يخدم منو ثاني سبب بينتني ويا يريد ومن زوريا كيما رشاد 24 بعد ما ني غاس كون وين اقلا كون سواق من مرقد صلاح سفره نكينين ايني دمير ني رشاد عينين يريد يناك ديال امر Nous n'avons ni de contact direct ni indirect avec les militaires, etc. etc. Maintenant, nous avons fait un peu de temps sur Internet. Le patron des services spéciaux qui travaillait avec Rachid a été arrêté chez Gaït Al-Hafs. Il n'est pas le cas de Rachid. Le premier secrétaire de Gaït Salah, يسالني رشيد باش ادينينا ينسني وانا نخدم منها كنين نوثني يضمن نقاد صراحه اكثر واش قاد صراحه يضمن يسر داني دني راه كاير اللي اش اللي كاين هذيك الشغله ليبرتي دو كونسيونس كاير يثمن داوك دونك جيتي ديجا دون اون نيغوسياسيون تري افونسي اي يريد يناخد المحاد وري اللي هو ولد قال انا غمادو فيرا ما عينان اسمي دي فغوال باللي الجنرال كاير وسيني إناد إناس أم خدم من أم كيس نجات صالح هذا يخدم باش أتسكني سالني راشد أم كيس مش فاهم كذا راشد واجي هيك اسم سلاي مسيس من راشد ينتقد واحد 15 بوس سنة جينا ثنتا في مدام الإنترنت أخي قارس تيدس من اللانس من سواق وكذا جات صالح إيش هو بواريز مرة تصلحه يونا فيني ذر موحال وخدم غريد سن ويضا فيني اسميت سفرحان أدي قيرا فيني خدم غريد سن وزمير دارت خدمة في السلطة الشتاقية نكون نصور بعد إني دوال خاص قلت قبيل غارة أرخ صغا شو إلا نقول شو إلا نقول لا غيش أم دام إلا قنص الحوثة مول ماذا قل لام ستوفير نغ استخزاب بثيد الحوض وكتسامن غارة إلا قد قرني ما نصل القرار ما جل ريدي وزابي ان بروبليم دو كريديبيليتي ان بروبليم دو كونفيانس avec la société algérienne qui se méfie et la raison se méfie وين راه يسكت فن هكا كي قبلت الطف اش راه يخدم مزكا ما راه تيدي صح كلشي اللي فاش الميت الميت الدكتور كما لا سقسي تدون سقسي الدكتور دون لون دي كونتريبيسيون تهضرت تو فوز علي بارلي دو لا ديكونتاسيون
Alors, بعيد نظر واش هو لي سيني واش هو لي زانديس تويت بلي لا ديكونتاسيون سيت اوبيري و جوستمون فوز افي بارلي جوستمون دو كون ديموكراتيك است كو تويت بلي تاع لا كونفيرجون ديموكراتيك كي سامبوز لوان دي ستركتور تراديسيونيل ايتون دوني فوز افي ايفوكي كيل يا اون سيرتان روبتور دو كونفيونس انتر لي ستركتور تراديسيونيل الواحد واحد وبدود است كو سا دي تويت لا سوليسيون الي دون اون ديناميك سيتوي تورا نزاد ولا في جرا ولا يجي عند الصواب ما يلاقى نشتي الشغال نناد مازال وردور ورا اين يتمناني مذانا على معنى لا الا ديجا دي زاكي ا مون افي فاسيل ا فيريفي اي كي سون كونستاتابل الا بالي الا انتريني توش كي ا اكزيستي جوسكا بريزون alors Pour quelle raison? C'est des études, c'est des réflexions, c'est des analyses qui nous le diront. Moi, je pense qu'une grande, une des raisons principales de la disqualification des structures en place, c'est le fait que justement, elles ont été incapables de donner du sens, de produire de la matière politique à une générosité citoyenne, à une mobilisation, une disponibilité citoyenne. À partir du moment où Alain Larachi, Rachel Vernier, ou Ismeren, اللي في كازار يوكنا تمغين يوكنا دفك الحبينس وثوفانا رام اللي تقولي سنة ثمانين يمذانن حسو كان باللي يبواس نقص يبواس السان غاز كان نقص لاز كان اذكرنا ذات في سنين يمذانن دونك il y a effectivement une page qui est tournée dans la sociologie politique dans la scène politique algérienne ça c'est absolument il n'y a que celui qui ne veut pas voir qui ne l'aura pas constaté Alors, si nous avons fait la transition, pour donner son avis sur la réforme du pays. Le RCD il s'est engagé sur la feuille de route d'Arachid. J'ai vu dernièrement le MDS, c'est le parti de Hachmi Chérif. C'est l'ancien Pax et c'est l'ancien parti communiste. Et ça nous a l'Arachid de l'Adensa. Même si on a dit qu'il y a un peu de temps, Donc c'est normal, moi je ne suis pas dans la polémique, il faut passer à autre chose. Mais il faut savoir qu'une page est en train de se tourner et que donc cette transition démocratique, si elle doit avoir lieu, et il n'y a pas de solution pacifique en dehors de la transition démocratique. Je pense que le pouvoir se trompe beaucoup en spéculant sur le fait que les islamistes essayent d'infiltrer la révolution pour désamorcer la mobilisation. Ils peuvent la réduire, ils peuvent manipuler, ils peuvent infiltrer eux-mêmes, ils peuvent provoquer, mais ça ne stabilisera pas le système. Ça n'assurera pas la survie du système, ils se trompent profondément. Et que la transition démocratique, ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas une affaire de parti, ce n'est pas une question de militants. La transition démocratique qui doit assurer la cité de l'égalité, de la transparence, de la justice indépendante, c'est une affaire qui concerne l'ensemble des citoyens et des habitants. Quelle que soit votre sensibilité, quelle que soit la mienne. Un chtegir, oui, dit que la Knesset Garnier Bim, Vim Venen, Imra, Machida Manes. Il y a quelque chose qui concerne le militant. Le jour où des partis se reconstitueront, il y aura des programmes, il y aura des statuts, il y aura des règlements intérieurs. Chacun choisira le parti qui lui convient le mieux. Mais il y a des choses qui concernent le destin d'un peuple, de la nation. Là, c'est une affaire citoyenne. Et la transition démocratique sera une affaire de l'engagement citoyen ou ne sera pas. Le manque d'implication des intellectuels qui n'est pas une team cell qui l'aura à faire prier la démocratie, la décentralisation, une chose d'une hygiène réveillée, tu auras un quelqu'un chez toi, tu auras un des débuts réveillés, et là, tu n'as pas de quoi ni genouin de l'as,
فيكتيوين ديك سمخام ديال هذا اللي كي غادي تمسحين في لوتونومي ريجيونال لا ريجيوناليزاسيون الفيدراليزم ولا كي قارنوا دي قمه ومسله يا نحكي لك في مونت لانديبوندونس شو تمر لي الدكتور سعيد سعدي فهمت لو ماذا قلت مسلاني مدانل الا واش فهم مسلاي باسي كي ان بروبليم سي تري بيان سوق دوس ماشي دا ولا في يوم لا لا ديموكراسي سي لا بلوراليتي بار ديفينيسيون. Ça, moi, je trouve très bien. Il y a des choses qui sont gênantes. Mais là, qui n'y est où mais là, la matière de raïm, à ce moment, ma que ce soit des tchoufir, il nous risque de voir là, n'a pas que je me sens. Ça, je pense que ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Ces outrances ont fait beaucoup de mal aux observateurs étrangers qui vont en Kabylie, aux Algériens arabophones démocrates qui vont en Kabylie, notamment des écrivains, j'ai vu des écoufles, enchantés, admiratifs, soucieux d'apporter leur aide pour pouvoir éventuellement renforcer, casser l'isolement de la Kabylie, quand ils ont vu des excès, des abus de langage et même quelquefois plus, ou les insultes à travers lesquelles certains essaient d'exprimer leur combat politique, ils sont revenus complètement désappointés. Ils ont décroché de la Kabylie. Donc, ceux qui croient que c'est en étant le plus violent, le plus bruyant, le plus insultant qu'ils vont rendre service à la région, je pense qu'ils se discréditent. Et deuxièmement, ils ne me rendent pas service à la région. Maintenant, vous me donnez, moi, à Tkharad, je vous aurais chiné à Femsetegui, j'ai envie de dire. Il s'est fait arracher. On peut avoir toutes les opinions que l'on veut. L'essentiel, c'est des argumenter. Car en Stormith, la politique, c'est l'art du possible. Oui, il y a des gens qui sont venus, ils 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 sont venus. Ce n'est pas très cohérent, ce genre de truc. Et puis, on ne peut pas. Il y a des considérations diplomatiques, il y a des considérations institutionnelles, il y a des considérations démographiques. Il y a plus de Kabyles en dehors de la Kabylie qu'en Kabylie arachides. La plupart de mes cousins germains, donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler d'indépendance, moi je suis un démocrate conséquent. Toutes les idées sont les bienvenues, mais si vous ne dites pas, vous ne dites pas, il faut se donner les moyens, il faut être crédible, il faut avoir de la cohérence, il faut avoir de la capacité à convaincre et pas à insulter les gens qui posent des questions. Tout ça, ça fait partie du débat démocratique. J'espère vraiment, j'espère sincèrement que les gens vont revenir à un peu plus d'apaisement, que chacun sache que cette région, nous y tenons tous, parce que c'est notre région, parce qu'elle a trop souffert, parce qu'elle a été trop attaquée, et que c'est une raison de plus pour ne pas l'embarquer dans des aventures qui peuvent être son lendemain et où elle peut perdre beaucoup plus qu'elle peut gagner. Voilà. Donc on ne peut pas évacuer du débat ce genre de truc. Il a lâché. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu n'as ni à t'imposer, ni à stigmatiser, ni à diaboliser ceux qui estiment qu'il y a d'autres propos qui sont possibles. Voilà. Je le dis sans esprit polémique, vraiment, dans un souci d'apaisement. Ça ne devient pas un slogan, mais que ça devient un moyen, un fait de culture. Moi, je suis persuadé que dans la phase actuelle, mais ça ne va pas être facile. Hein. Moi, je ne me dissimule pas la difficulté. Le destin en avance. C'est l'Afrique du Nord des régions. Il faut avoir le recul suffisant. Il faut avoir la vision, la profondeur qui permet de lire tous les sédiments, tous les ressorts, toutes les pulsions de nos communautés pour voir ce qu'il est possible de faire. Et là, vous n'avez pas. Mais si quelqu'un a mis son haras, هذه الزوارة هذه سنظينا ويرف ذراق رويس هذه مقلر زاد نزكاونيان داريفها سي لافريك دي نور دي ريجون
l'avenir, c'est l'Afrique du Nord derrière. Ça permettra de donner une performance économique avec une synergie des moyens. Nous avons les mêmes besoins en médicaments, les mêmes besoins en céréales, les mêmes besoins sur le plan technologique, etc. Nos émigrations sont pratiquement les mêmes. Notre diaspora, qui doit essayer d'avoir des connexions déjà dans les pays d'accueil, peut être d'un apport pour les trois pays. Je vais te faire un exemple. Donc, Air Algérie, Royal Air Maroc, Tunis Air, intervenaient chez les compagnies d'assurance ensemble. Même si elles gardent son organisation, elles ont 17% de moins pour assurer leurs actes. Donc, c'est cet avenir-là qu'il faut construire. Cet avenir, c'est une matrice, il a une histoire, il a une âme, il a des ressources, il a un destin, il a une culture. Le substrat amazigh, c'est sur ce substrat-là que peut se construire l'avenir de l'ensemble de nos régions. Les moyens, Badadiline, et même sur le plan géopolitique et géostratégique, Rachid, nous sommes cernés. La Libye, c'est Erdogan et Baldardina. Le Sahel, Blemmenet de Chedrandina. Le Maroc, il est en train d'essayer de sécuriser ses frontières avec une proximité avec les Américains, maintenant même avec Israël. Nous sommes cernés. Si jamais on part de manière séparée, notamment les trois pays, sur l'Afrique du Nord centrale, nous perdrons tous. Alors, je suis Kabyle, je sais très bien ce que nous vivons aujourd'hui, les insultes. Elle est impunie. C'est normal que les gens soient en colère. Mais la perspective démocratique ne peut pas être construite par le traitement de la colère, même s'il faut savoir répondre à cette colère. Alors, il y a des fois des démarches qui sont longues, qui sont quelquefois compliqué à obtenir, et je pense qu'on ne peut plus faire l'économie locale d'une plateforme d'échange entre les élites nord-africaines, et j'en connais beaucoup, où on doit commencer à discuter le magasin marocain et la gang du FLN algérien, ils s'entendent matin, midi et soir. تسداوي ثمروكيث وتهدرك تسداوي ثجيريث أما ناس الجيري ويهدر هذا مارس المروكين ونقيم لكن لا مي لو ديفلوبمون لا بيرسبكتيف ان فري استراتيجي دو ديفلوبمون كي مين ا ان كولتور سيتويان و سيتويان سورا على فوا لاكتور اي لاربيتر دو ديستان بوليتيك دو نوتر ريجون نو بو با فير ليكونومي دو سو ريغروبمون لا ايفيدامون إلا قاتلي ثمازيغ، قاتلي ثعرب، واتلي ثروميث، أثنى قلت لي وي السيري طفلك نحكي غادي باس، ما بغاتش نفك ستاكات نخدم ستاكين، اللي غاكل بودياس، نتقسى على كارت تاكي الحكومة، ما كانش تاتيد نذبو لا كول، هذا مسا، أو بو دوزور أنا في تو سو لي كيستيون إيسونسييل، إلا إذا عمر بن موسى سميتها، إي على فن عاستري ميث بغا ميد نقرا كنت مسال. أنا مسفهم في الأسنت إلا قدنا هنا في ذنك اللي نتنوضين اللي لو منا غناك هناك شو سي كوا ناس لا كيسيو ايدونتيتير ناس كون وين فون دي المومون ناسيونال ولا انت تعرفت سلمت ناس إلى حال وقت ناس المزيان بوساكين نوذان غران فهمان ولان فنان تمازيغ ثاكين ثوفارد ثوغال يقال ديمانيس تي جديد هناك ناس الور ماشي كتسيني سوفاري قلال هذا قول ما قلت مورث لا ثلاثة اشو يدينا هناك اي كيش تفي دلا فرانسيتي كيش تفي دلا فرانسيتي دوبي كون تو افي اون شيز كي تيان سور تروا بي اي با يفو اسيمي ميم لا فرانسيتي اش قارن دي روميونيتي دي بويرا سميتي تشمن سوزل دي دي ميتي تشمن اي غرا راه بنسمي دروحنا زلابيه غدبوين يعني نو يفو سا في بارتي دو سيديمون. Il faut l'assumer comme un élément culturel, linguistique, qui fait partie de notre identité. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas se précipiter. Mais qu'il n'y ait pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Il y a un moment où il y a le FLN, il y a un moment où 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 il
كمان كفاتي لو خلا اسقسي كان نكاوا اسقسي نكاوا غادي نكاوا فازي اسقسي و دكتور نكاوا زي سيني حريشن جوست فوز افي ايفوكي ثنيت دبلي ان اون بوبليك il doit quelqu'un d'être connaisseur en histoire pour être vraiment utile dans sa société, en quelque sorte une question éthique. Vous avez toujours signalé. Et la dernière question, c'est-à-dire enfin, le deuxième point de ma question, c'est par rapport à Ifrane Didon, le pouvoir algérien, il veut toujours continuer dans sa logique de la politique du fait accompli. Donc, il est toujours un régime d'autarcie. Donc, d'achouer les conséquences, justement, d'Ifrane Didon, le pouvoir, il pousse justement la population, on peut dire, à de la résistance. Et comment vous voyez l'avenir de Ntebort? Je suis allé à Menzouz. Quand je suis venu à Menzouz, à Kamel, à Madi Loka, à Madi Lassa, à Kimura, à Fkanou, à Menzouz, il est un dame. فريك الى وان دملول الى وان ديف جوج لما انا ما غرانتش ما ولا تخزرت سون ريغاردي اون ادو سو سون جينيرال لي ناسيون لي بلو كويرونت لي بلو ستابل لي بلو ديفلوبي باسكو ils ont fait une culture une lecture honnête adulte de leur de leur histoire كيمورا دير ان فيسل نغندات سن فوفو سوا تاكاغي او ال سيرفي بلوس كان نوفي elles sont victimes d'une histoire frolaté, amputé, mutilé, le FLN l'a survécu, il a pu survivre, avec la falsification de l'histoire. Donc, je ne crois pas qu'un homme politique, a fortiori, s'il prétend à des responsabilités, peut avoir quelque chance d'être efficace, crédible, s'il n'a pas une grande connaissance historique. Ce n'est pas parce que ça fait bien d'avoir des diplômes, c'est parce que c'est de là, tout part de l'histoire et tout renvoie à l'histoire. Bon. Tout le monde a dit, il y a des gens qui ont dit, ils ne comprennent pas, ils n'apprennent pas, c'est un peu embêtant. Moi, je ne crois pas que l'Algérie a eu un pouvoir ces 20 dernières années à Guadarbim. On a dépensé près de 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars. Il y a de quoi développer le continent africain. Le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est ce qui a permis de reconstruire l'Europe occidentale après la Deuxième Guerre mondiale. Il a à peu près 360 à 370 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on a dépensé ces 20 dernières années, trois fois le plan Marshall. Trois fois ce qui a permis de reconstruire l'Europe occidentale. Donc, on a dit que nous avons 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 dit que la justice, elle reste le prolongement du commissariat de police. Ça, c'est pour parler de la crise institutionnelle. Je ne crois pas du tout qu'un pouvoir peut assurer une stabilité à la nation avec des pratiques qu'il y a eu jusqu'à présent. Ça, c'est une autre problématique. Nous sommes dans un moment de crise institutionnelle sévère. Le jacobinisme FLN ne peut plus tenir. Il y a une totale inadaptation, une adéquation entre le système et la société. La crise de l'éducation nationale, qui a été, à mon avis, un crime d'État, parce que ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Therwenna, Shigans, Arthur Warren Touareg, Therwensen, Oulhens, Erwendam, Ioulem, Iwaknad Khadon, Iwaknad Wali. La plupart des dirigeants algériens ont leurs enfants dans les établissements du lycée Alexandre Dumas français. Donc, il y a une crise de l'éducation nationale qui a sérieusement amputé, qui a sérieusement réduit les capacités du libre arbitre de tout ce qui peut constituer le citoyen de demain. Et ça veut dire que la violence est tchadaguée. Là, d'ailleurs, depuis 2001, le printemps noir de 2001, on peut quand même en dire un mot,
Je pense qu'il y a eu une bascule radicale, définitive, dans la conscience de la population algérienne qui a compris que les solutions, les solutions ne sont pas dans les institutions, c'est la rue. Celui qui a un problème, c'est la rue qui est l'espace de médiation sociale. Il va allumer quelques pneus, il va occuper la mairie, il va couper la route, etc. etc. Parce que ça a été un vrai traumatisme, 128 jeunes qui ont été tués plusieurs jours dans plusieurs villes, ce n'est pas un affolement. Ce n'est pas un dérapage du maintien de l'ordre public. C'est un choix d'une réponse stratégique à une contestation de la jeunesse. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, psychologiquement, l'Algérien a perdu confiance dans la capacité de l'État à répondre à ses citoyens. Donc nous sommes dans une véritable impasse. Le pouvoir algérien a tort de croire qu'en attaquant tout le monde en les accusant d'agents de l'étranger, de temps en temps ils font des petites anicroches à la frontière marocaine pour éventuellement distraire l'opinion publique en disant qu'il va y avoir une guerre aux frontières. Ça, de l'autre côté d'ailleurs, le Mahzen fait la même chose. Ce n'est pas en attaquant la France pour un oui ou pour un non, à chaque fois qu'il y a un petit problème, quitte à venir le lendemain se coucher devant elle. Ce n'est pas avec ce genre de petites bricoles, de petites misères qu'on fait face à un échec historique, à une impasse systémique. Il y a un réveil citoyen qui est, que moi j'ai appelé de miracle. J'espère que nos élites feront de sorte à ce qu'il ne soit pas un mirage. Tenmirnou. تنميث الدكتور سعيد سعدي قيم كاين استقاء كي تخسر فلاس حتى تعيط فلاس فسوسه فاكانت زوج الاف ويون اشيني سكواس من بعد تنكد غايك كاين نوتا تاكرا انت دويل تاكين في السنات ابن بوينت الدكتور سعيد سعدي ما كاين وين كاين مثير اي دي قيم ني او دي قيمات دي ثلويث